peut-être commencer. Bonjour à tous. C'est très impressionnant. Merci d'être présents, d'être aussi nombreux à cette session sur les nouvelles routes de la soie. Et vous verrez que c'est un sujet qui est absolument passionnant et qui est exemplaire de ce qui est en train de se passer comme bouleversement dans l'ordre mondial en termes de gouvernance, mais aussi au plan politique. Les routes de la soie, je ne sais pas si nous avons une carte, on va essayer de la garder tout au long de la discussion parce que ça va situer un peu sur ce dont il s'agit, les conséquences, les enjeux, les analyses. Je laisserai bien sûr nos quatre invités qui sont beaucoup plus compétents que moi sur le sujet. Laissez-moi simplement vous dire que, pour faire simple, ce qu'on appelle les routes de la soie, c'est une gigantesque toile d'araignée avec deux grands courants, un courant terrestre et maritime, hein, donc c'est One Belt, c'est la ceinture maritime, qui part de Xi'an, c'est ça, en Chine, une ville un petit peu symbolique pour les Chinois et peut-être pour les historiens, puisque c'est là où, je crois, est parti Marco Polo en son temps, vous voyez, ça nous ramène un petit peu en arrière, et qui traverse toute l'Asie centrale et qui remonte vers l'Europe, qui englobe toute l'Europe et qui redescend vers la Grèce et l'Italie. Et puis, il y a un grand courant maritime qui est donc complémentaire. On voit bien que les deux se rejoignent. Les deux, c'est bien une ceinture. C'est donc le One Belt. C'est cette route maritime qui part de la côte méridionale des côtes chinoises, qui descend donc par la mer, qui fait une petite incursion en Afrique, en Amérique du Sud, etc. et qui remonte là aussi vers l'Europe. La route, pour vous situer, la route terrestre, elle représente jamais que 11 000 km de long. Et 11 000 km de long, c'est jamais au moins 2 000 km de plus que le transsibérien. Au total, entre cette route maritime, cette route terrestre et ces différentes ramifications sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, ça représente la bagatelle de 30 000 km de route terrestre, maritime, de voies ferrées, mais aussi d'ouvrages divers tout au long de ces routes, puisqu'on va construire, je l'ai dit, des voies ferrées, mais des ponts, des autoroutes, voire même des villes nouvelles. Ce sont des sommes considérables qui sont en jeu. On parle de 1 000 à 1500 milliards de dollars. Et surtout, c'est très important, c'est un réseau qui a été constitué sur des alliances locales. Et les Chinois ont passé des accords avec 68 pays différents qui se sont joints au projet à des degrés divers dont on parlera tout à l'heure et avec des réussites diverses pour l'instant, on l'évoquera aussi. 68 pays, c'est très important. Je vous rappelle qu'à l'ONU, on compte 192 pays, donc c'est pratiquement le tiers qui participe à ce projet. Donc, ne fût-ce que par ces chiffres, on voit bien que c'est un enjeu colossal. C'est, je le disais tout à l'heure en préambule, c'est quand même une aventure extraordinaire, sans doute la plus importante de ces 50 dernières années. C'est un plan gigantesque. À certains égards, on dit que c'est le pendant de ce qu'a été en son temps le plan Marshall, pour les plus anciens d'entre nous. Et en tout cas, c'est vrai que ça bouleverse considérablement l'équilibre mondial. Ça confirme le réancrage vers l'Orient, à commencer par la Chine, donc cette grande puissance qui s'affirme un peu plus et qui, dans l'imaginaire chinois, c'est très important parce que c'est l'affirmation d'une puissance nouvelle et en même temps un renvoi au passé. Vous savez, les Chinois appellent la période actuelle, je parle souvent de contrôle, ils appellent ça la Renaissance. Cette période de Renaissance, pourquoi? Parce qu'on renaît par rapport à la grande période qui a été le XIVe siècle. C'est assez amusant de voir que les Turcs, eux aussi, parlent de Renaissance et eux veulent faire revivre l'Empire ottoman. Vous voyez, il y a donc ce lien entre passé et futur. Je vais m'arrêter là et juste peut-être un exemple pour ancrer et donner l'exemple de ce qui n'est pas seulement un projet à la fois idéologique, mais comme ça sur le papier. Il y a des réalisations qui sont en cours et j'en veux pour preuve, puisqu'on est dans l'actualité, il y a une quinzaine de jours, le président chinois a inauguré le plus grand pont maritime, le plus grand pont mondial au-dessus d'une mer. Il fait 55 km de long. Il relie Hong Kong à Macao et à la province de Guangdong, de Canton en Chine. Et donc c'est un ouvrage qui a une double signification pour les Chinois, puisque d'abord il permet de réaffirmer l'ancrage. Hong Kong fait bien une partie de la Chine et Macao, et il faut quand même que ça se sache, même si certains ont des idées d'indépendance de temps en temps. Et deuxièmement aussi, c'est l'affirmation et la preuve que la technologie chinoise est au rendez-vous. Voilà, je m'arrête là, et je donne tout de suite la parole à nos quatre intervenants, qui connaissent parfaitement le sujet, et qui aussi sont dans l'actualité, parce qu'au moins 3 sur 4 reviennent de Chine ou de Taïwan, l'un d'entre eux avec une grippe d'ailleurs, mais bon, ça ne va pas se ressentir dans l'exposé. Et donc,
On va commencer avec Alice Ekman, qui est à mes côtés et qui est spécialiste de la Chine, qui rentre de voyage, qui rentre de Pékin, hein, de Chine, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et qui est spécialiste aussi de Taïwan, de la péninsule coréenne et de cette région. Alice Ekman est chercheuse à l'IFRI, que vous connaissez bien, l'Institut français des relations internationales, où elle dirige plus particulièrement les activités Chine du centre Asie de l'IFRI. Et c'est à ce titre qu'elle a conduit avec d'autres collègues une volumineuse étude intitulée « La France face aux nouvelles routes de la soie ». Et c'est très bien fait, très complet. C'est sur Internet et je vous invite à vraiment le regarder, le lire en profondeur. Elie Segman a aussi conduit, c'est sous la direction qui a été publiée au printemps dernier, un livre intitulé « La Chine dans le monde », réalisé donc avec cette équipe de collègues. Elle évoquera notamment dans notre discussion l'expansion géographique et sectorielle du projet que j'ai commencé à évoquer devant vous et éventuellement les recommandations qui en découlent. Nous continuerons ensuite à ce panorama pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit, quels sont les enjeux, avec Martin Landais qui lui rentre de Taïwan, si je ne me trompe pas, et qui, Martin Landais est à la direction générale du Trésor à Bercy, il est chef du bureau Asie, et à ce titre, lui aussi, avec d'autres collègues, Julien Dumont et Pierre Auffray, il a achevé récemment une étude qui est également sur Internet sur ce sujet, donc sur les nouvelles routes de la soie. Donc là, vous avez deux éléments pour bien comprendre ce dont il s'agit. Vous y trouverez des commentaires, d'ailleurs, qui sont assez complémentaires de celles de l'étude d'IFRI d'Alice. Après, c'est le chercheur. Nous allons peut-être donner la parole à des acteurs. Les acteurs, c'est les entreprises, mais ce sont aussi les collectivités locales et territoriales, en la personne d'Alain Labatte, qui est à côté de moi, qui revient aussi de Chine, et qui est le président du nouvel Institut franco-chinois de Lyon, qui est à la fois opérateur pour la ville et pour la métropole. Donc il nous donnera un point de vue, celui d'une collectivité territoriale, bien sûr, très intéressée par ce qui est en train de se passer et la place qu'une collectivité peut occuper dans ce schéma. Et on terminera par Jean-Raphaël Chaponnière, qui sera peut-être un peu celui qui prendra de la distance par rapport à ce que nous allons évoquer, et dire, être un petit peu le grain de sable et dire finalement est-ce que ces ambitions sont réelles et le début des concrétisations est à la hauteur. Jean-Raphaël Chaponnière a travaillé longtemps à l'AFD, l'Agence française de développement. Il a été conseiller économique à l'ambassade de France en Corée notamment et il est chercheur associé à Asie 21 et membre de Asie Centre. Il nous en dira un petit peu sur ces deux institutions. Voilà. Et il évoquera les liens qui se distendent peut-être entre le projet initial des Chinois et comment ça se passe sur le terrain par rapport au nombre important d'acteurs que j'évoquais, puisqu'ils sont près de 70. Je m'arrête là. Alice Ekman, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour et merci beaucoup, Serge, pour l'introduction. Ben vous avez cadré le sujet de manière très complète, en fait. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a beaucoup de pays concernés par le projet chinois, mais j'ajouterais qu'il y en a encore plus qu'on imagine. C'est-à-dire que vous avez mentionné 68 pays. En effet, au début du lancement du projet en 2013, par les autorités chinoises, par Xi Jinping, on évoquait ce chiffre. Quelques années plus tard, à l'avant-dernier forum de Davos, auquel avait participé Xi Jinping, puisqu'il avait fait le principal discours, il a prononcé le principal discours, il a évoqué une centaine de pays et d'organisations internationales concernées. C'est normal qu'on ait du mal à suivre les chiffres parce qu'ils évoluent tout le temps. D'autant plus que là, je reviens de Chine, et les autorités chinoises, officiellement, maintenant, évoquent 130 pays et institutions internationales concernées. Donc, c'est une évolution très intéressante. C'est pour vous dire que le cadre géographique du projet chinois ne cesse d'évoluer et que le cadrage, en tout cas le tracé historique des routes de la soie, aujourd'hui, on va en dire, en tout cas, on l'a largement dépassé. Et potentiellement, lorsqu'on échange avec les autorités chinoises, on a l'impression que potentiellement tous les pays et tous les continents peuvent être concernés. De fait, aujourd'hui, l'Afrique est concernée. L'Arctique est concerné, notamment par un livre blanc consacré au sujet qui inclut plusieurs paragraphes sur les routes de la soie. L'espace, le domaine spatial est concerné, donc ça dépasse la Terre. Et puis tous les pays qui manifestent un intérêt pour les routes de la soie sont les bienvenus. Ça, c'est la parole des autorités chinoises, mais c'est intéressant de le noter parce que l'expansion géographique du projet est rapide, manifeste, et à mon avis, elle se prolongera dans les prochaines années. Alors, on note deux évolutions, c'est-à-dire c'est l'expansion, l'augmentation du nombre des pays concernés, mais aussi l'ajout de
deux petits mots, organisation internationale. Donc c'est 100 pays et organisation internationale, ensuite c'est 130 pays et organisation internationale, c'est-à-dire que la Chine associe de plus en plus des forums et sommets multilatéraux, des structures multilatérales à son projet en essayant de l'internationaliser. C'est pas le nôtre, c'est celui de vous tous. Et je ajouterai aussi, vous avez raison de dire que c'était au départ One Belt One Road, et en chinois c'est Idailu, mais depuis le nom a changé. C'est Belt and Road Initiative. Alors, on n'est pas obligé à chaque fois de se mettre à jour, parce que c'est compliqué. C'est comme le nombre de pays, ça change tout le temps. Oui. Comment ? C'est comme le nombre de pays. Pas du tout. Je ne veux pas avoir l'air snob et reprendre le modérateur qui a très bien annoncé la session. Ce que je veux dire, c'est que constamment, les choses, on va dire, le cadrage géographique, l'appellation et le cadrage sectoriel, on le verra dans l'instant, évoluent lorsqu'il s'agit des routes de la soie. Et donc, la flexibilité même est au cœur du projet chinois, le définit. Et donc, un organisme international, c'est un développement intéressant parce que, je ne sais pas si vous avez peut-être entendu, mais sous Xi Jinping, la Chine a des ambitions en termes de ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. Il considère que les organismes internationaux, qu'au sein d'un certain nombre d'organisations, la Chine n'est pas assez représentée. Il faudrait qu'elle renforce son influence pour défendre, être plus à même de défendre ses intérêts. C'est le cas dans une certaine mesure à l'ONU, mais plus dans une diversité de structures multilatérales. Et la Chine considère aussi qu'il faut créer de nouvelles structures, comme la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, qui est indirectement liée au projet général de la soie. Ce n'est pas l'unique banque, fonds qui soutient le projet chinois, parce qu'il y a d'autres structures qui ont été créées à cet effet, mais il y a quand même un activisme institutionnel intéressant à analyser dans le cadre des routes de la soie. Mais je ne vais pas vous noyer de jargon de chercheurs en géopolitique, je vais revenir à l'expansion sectorielle maintenant. Concrètement, qu'est-ce que c'est le projet chinois aujourd'hui ? Vous permettez une minute, ouais. Juste sur, est-ce qu'on peut essayer de comprendre pourquoi ? Alors, je passe sur 70, ouais. 130, etc., dont des institutions internationales. Est-ce que vous avez une idée ? Vous pouvez nous dire un peu la part de ça ? Et quel intérêt ont ces pays à s'allier à ce projet ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des investissements chinois qui vont être présents et ça permettra d'aller vers l'aspect sectoriel ? Mais qu'on essaye de bien comprendre, après tout, pourquoi se rallier à un projet si on n'en est pas maître ? Est-ce qu'on va en être esclave ? Alors déjà, c'est intéressant de noter qu'il y a une diversité de réactions internationales au projet chinois. Il y a des pays très enthousiastes, des pays plus mitigés et des pays franchement hostiles. Franchement hostiles, il n'y en a pas beaucoup, même je pense à l'Inde, par exemple, qui a officiellement manifesté ses réticences, en tout cas pour soutenir le projet chinois, notamment du fait de certains projets qui ont été développés au Pakistan dans des zones contestées par l'Inde. Et donc, il y a un enjeu politique majeur entre l'Inde et le Pakistan qui concerne les routes de la soie. La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, je ne vais pas trop en parler parce que Martin en parlera probablement mieux que moi, mais on a une approche que je qualifierais de précaution. Ils évitent, par exemple, de formaliser leur soutien par une signature d'accord aux routes de la soie, alors que les autorités chinoises incitent un nombre croissant de pays à signer ce qu'on appelle donc des MOU, Memorandum of Understanding, accord cadre, pour soutenir le projet chinois. Mais il ne faut pas oublier en parallèle, il faut sortir de peut-être notre biais européen ou indien ou américain, et on note quand même un nombre croissant de pays très enthousiastes vis-à-vis du projet chinois. Des pays de différentes catégories situés sur différents continents. Je pense par exemple à la Serbie, je pense à la Hongrie, je pense à la Grèce en Europe, par exemple. En Asie, Singapour a une position intéressante, compte tenu de sa localisation également. En Amérique latine et centrale, par exemple, récemment, j'ai entendu l'enthousiasme de l'Équateur. Donc ça nous rappelle que le projet chinois est très large géographiquement. Pourquoi concrètement ? C'est aussi parce que, certes, c'est une promesse d'investissement. En tout cas, c'est l'espoir que des investissements intéressants dans certains secteurs nécessaires au développement des pays concernés se réaliseront. Mais c'est aussi souvent le reflet de bonnes relations bilatérales. La Grèce, la Hongrie,
d'universités de pays qui entretiennent de manière générale de bonnes relations avec la Chine au niveau politique, au niveau économique, ont tendance aussi à voir sous un bon œil une autre initiative d'un partenaire qu'ils considèrent être de confiance. Donc on ne peut pas déconnecter les relations route de la soie avec les relations bilatérales traditionnelles de mon point de vue. Mais si vous me permettez, Serge, je vais revenir à l'expansion sectorielle et n'hésitez pas à me couper si je dépasse le cadre de cette intervention. Mais on a tendance à penser que les routes de la soie, ce sont principalement des ponts, des aéroports, des ports, des routes, des autoroutes, enfin des infrastructures de transport. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi d'autres types d'infrastructures, des infrastructures de télécommunication, notamment les câbles sous-marins, des réseaux de téléphonie mobile. C'est également des infrastructures énergétiques. Et c'est également la construction à l'étranger de zones industrielles spéciales ou parcs industriels tels qu'ils se sont multipliés sur le territoire chinois pendant l'ère de réforme et d'ouverture lancée par Deng Xiaoping dès 1978. Et tout cela, on peut dire, ce sont des projets matérialisables, des infrastructures dures, bien identifiées, que l'on peut représenter sur une carte. Mais ce n'est pas que ça non plus, les routes de la soie. Les routes de la soie, c'est également une dimension de plus en plus immatérielle. Par exemple, coopération douanière, coopération projet juridique, puisque la Chine a créé trois tribunaux d'arbitrage commerciaux sur son territoire sous le label Route de la Soie, et probablement d'autres seront créés. C'est également des projets de promotion de nouvelles normes et standards techniques. En tout cas, la Chine a publié un plan pour la période 2018-2020 sur ce sujet-là. Liant donc sa stratégie normes et standards et les routes de la soie, en tout cas ce qu'elle appelle connectivité. C'est également des projets de coopération artistique, culturelle, numérique, de e-commerce. Donc finalement, c'est à peu près tout. Donc ce qui nous a amené à dire dans notre étude « La France face aux nouvelles routes de la soie » qui a analysé le développement des projets chinois pour les 5 dernières années, que c'est finalement un outil d'internationalisation des priorités chinoises. Si le e-commerce est une priorité chinoise, telle que mentionnée dans les plans quinquennaux, telle que mentionnée dans le plan Made in China 2025, alors il est très probable que ça devienne une priorité des routes de la soie, et ça l'est devenu. De même, si la gouvernance mondiale est une priorité de la politique étrangère chinoise, alors il est très probable que ça devienne un axe des nouvelles routes de la soie, et ça l'est devenu avec l'intégration des institutions internationales que l'on mentionnait au départ. Donc, pour comprendre les routes de la soie, il faut comprendre les priorités de politique intérieure et extérieure chinoise. Mais je pense aussi, pour les comprendre d'un point de vue extérieur, qu'il y a un besoin plus que jamais de clarification. C'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'un pays soutient les nouvelles routes de la soie, ça veut dire qu'il soutient quoi ? La coopération dans le domaine des infrastructures, la coopération dans le domaine du e-commerce, la coopération culturelle, la coopération douanière, la coopération juridique, la coopération énergétique, enfin, ça, comme c'est un label un peu fourre-tout, il y a un besoin aujourd'hui, à mon avis, de revenir à l'identification, enfin, à l'essentiel, c'est-à-dire la discussion sur des projets concrets. Et cette discussion est particulièrement intéressante, à mon avis, entre la France et la Chine, entre certains pays européens et la Chine, pour les prochaines années à venir. Alors, après, dans notre étude, on a tiré plusieurs scénarios. Vous m'arrêtez, Serge, si le temps est écoulé. Peut-être deux, trois mots sur les scénarios. Rapide, puis on fera faire le complément, oui. Est-ce que le projet chinois va s'essouffler ou non, parce que certains projets d'infrastructure coûtent très cher. Il y a la question de l'endettement qui est souligné dans certains pays tels que Sri Lanka. Notre point de vue, alors on a identifié trois scénarios. Un scénario optimiste pour la Chine, c'est-à-dire que le projet chinois continue à se développer et devient un succès incontestable. Deuxième scénario plus mitigé où il y a le développement de la stratégie chinoise, donc le projet chinois de nouvelles routes de la soie et d'autres projets de développement des infrastructures, notamment menés par un groupe de pays dans le cadre de ce qu'on appelle la stratégie Indo-Pacifique qui a été initiée par plusieurs pays dont le Japon, dont l'Inde et qui inclut également les États-Unis. Et troisième scénario, un scénario plus pessimiste avec un essoufflement du projet parce que voilà, ces projets d'infrastructures
coûte très cher, parce qu'il y a certains questionnements de pays incontournables comme l'Inde, et puis ce questionnement commence à faire boule de neige, de plus en de pays se posent des questions. Mais de mon point de vue, même dans ce cas-là, de l'essoufflement, tout d'abord, le projet continuera à être promu par les autorités chinoises, parce que c'est le projet de Xi Jinping, c'est un projet du gouvernement central. Il y a eu énormément d'effets d'annonce, donc compte tenu des annonces interne et externe, il va falloir ensuite souligner les succès de ce projet, mais aussi parce que la dimension immatérielle coûte moins cher. Donc même si le retour sur investissement se fait attendre sur les projets d'infrastructure, rien n'empêche la Chine de promouvoir d'autres projets qui coûtent moins cher, comme des projets de gouvernance mondiale, de coopération avec les institutions internationales, des projets de coopération juridique, des projets de coopération en termes de normes et standards, etc. Donc à mon avis, il ne faut pas sous-estimer le projet chinois, il ne faut pas sous-estimer la dimension immatérielle qui, à mon avis, continuera à se développer dans les prochaines années. Merci beaucoup. Je crois que c'est un panorama très intéressant et en même temps qui nous fait rêver au regard des ambitions affichées par nos amis chinois. Avant, vous avez évoqué la nécessaire transparence et bien sûr, notre invité du Trésor aura beaucoup à dire là-dessus. Mais quand même, juste un mot, nous avons une question puisqu'on parle des secteurs du lycée Colbert de Lyon qui vous demande quels sont les points forts des infrastructures françaises dans ce domaine, routes, ferroviaires, etc. C'est pour vous, c'est... parce que vous avez passé de secteur, non ? C'est une colle, non ? Alors, je vais appeler la SNCF. Alors, les points forts. Mais peut-être que Alain pourra répondre sur Lyon, qui est finalement un hub des routes de la soie, avec la voie ferrée, en tout cas en termes de transport de fret, qui arrive. Mais peut-être que je peux répondre de manière détournée, comme les grands professionnels. Vous défaussez sur Alain Labatte, mais allez-y, on vous écoute, et après on demandera à Labatte, à notre ami Alain, de... Non, mais on m'a expliqué que le point fort du réseau de fret français, c'est sa structuration en étoile. C'est-à-dire que, par exemple, il vaut mieux que les marchandises passent par le nord de la France ou par Paris pour être redistribuées vers d'autres villes françaises. Et donc, Lyon est un hub intéressant pour les routes de la soie, mais que d'autres hubs, routes de la soie, pourraient identifier ailleurs pour acheminer plus facilement des marchandises qui arriveraient de Chine jusqu'à la France, vers d'autres villes françaises. Mais c'est une manière très détournée de répondre à cette question. Je laisse mes voisins et répondre de manière plus spécifique. Quitte à ce qu'on revienne bien sûr sur l'exposé. Oui, peut-être un mot donc sur ce fameux train qui a été la matérialisation donc en avril 2016 donc de ces nouvelles routes de la soie, puisque nous avons à cette date accueilli donc un premier convoi de marchandises venant depuis la ville de Wuhan, donc dans le bassin du fleuve Bleu, qui est l'un des grands centres Wuhan, W-U-H-A-N, qui est l'un des grands centres de la présence industrielle française, notamment dans le domaine de l'automobile. Donc ce train a parcouru donc 11 500 km avant d'arriver jusqu'ici. Il a traversé 5 pays et il a mis 15 jours, sachant que par mer, le même transport en met à peu près 35 à 45. Ceci dit, donc, c'est un train qui fonctionne à peu près régulièrement, qui passe naturellement par Duisbourg en Allemagne, qui est le plus grand port fluvial européen, comme tous ces trains ferroviaires donc, qui relient maintenant la Chine à l'Europe. Mais il faut aussi bien dire que ce train est tout à fait emblématique de notre balance commerciale avec la Chine, qui est ultra déficitaire, puisque c'est à peu près 30 milliards d'euros de déficit chaque année. Donc ça veut dire qu'il arrive avec force wagon et il repart avec un petit peu moins, mais avec chaque fois quand même un petit peu plus. Merci pour cette explication. On reviendra vers vous, bien sûr, d'une façon plus générale. Mais maintenant, Martin Nadel, vous avez aussi travaillé sur le sujet à travers cette étude. On parlait de transparence. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est un sujet ambitieux. Et puis, vous le disiez, Alice, les Européens, Français, Britanniques sont un petit peu sur la réserve. Hein, et j'aimerais bien savoir ce qu'on pense au Trésor français sur le sujet. Vous êtes off, hein, bien sûr. Hein. Pardon ? Vous êtes off, oui, vous pouvez tout dire. Hein. La petite lumière rouge là-bas qui montre qu'on n'est pas filmé. Merci beaucoup pour cette invitation. La présentation que je vais faire, elle s'appuie, comme l'a dit Serge, sur un document du Trésor qui s'appelle Trésor Éco, cette publication. On en avait mis quelques exemplaires à l'entrée. Vous pouvez la retrouver de toute manière sur Internet. Une publication qui s'appelait Les nouvelles routes de la soie, en toute simplicité.
Je reviens très rapidement sur la présentation des routes de la soie, même si Serge et Alice ont déjà dressé l'état des lieux de manière tout à fait complète. Je crois qu'il est important de bien mesurer que cette initiative, c'est une initiative personnelle du président Xi Jinping. C'est vraiment sa marque de fabrique. Elle date de 2013 et c'est vraiment c'est son estampille. Alors évidemment, au début, en 2013, c'est un plan massif d'investissement en infrastructure, principalement sur le continent eurasiatique, avec des contours sectoriels et géographiques qui ne sont pas nécessairement bien déterminés. Ce projet, il répond quand même à un vrai besoin d'infrastructure en Asie. Parce que, et c'est la Banque asiatique de développement qui a fait cette étude, on estime qu'à l'horizon 2030, les investissements en infrastructure pour répondre aux besoins, ils s'élèveraient à plus de 20 milliards de dollars, c'est-à-dire 1 500 milliards de dollars par an. Et c'est évidemment quasiment 2 à 3 fois plus que ce qui est fait actuellement. Donc, ça répond quand même à un besoin. La carte que vous voyez dessous, c'est la carte... Alors, il n'y a pas de carte officielle, mais c'est une des cartes qui avait été publiée à l'époque sur les routes de la soie. Et vous voyez donc ce que disait Serge. C'est une ceinture, une route, c'est une ceinture terrestre. Et donc, c'est tout ce qui est terrestre, tous les corridors, les 6 corridors que vous voyez en orange sur la carte, qui relient la Chine à l'Asie du Sud-Est, au Pakistan, à l'Asie centrale, à l'Europe et à la Russie. Et c'est une route maritime avec un certain nombre de ports, Ambatota au Sri Lanka, Djibouti, et ça va jusqu'au port du Pirée. Il n'y a pas de carte officielle des projets, ni de liste de secteurs. Effectivement, on pensait au début que ça concernerait principalement l'Asie, et y compris un peu l'Europe. Au final, on voit que les annonces récentes relatives à une route de la soie arctique ou polaire, et même en fait à une route de la soie spatiale dans certaines déclarations, montrent qu'il y a une ambition mondiale. Alors sur les nombres de pays participants, c'est effectivement, on évoquait 60-70 pays et une vingtaine d'organisations internationales. Ça représenterait 60% de la population mondiale, ça représenterait environ un tiers du PIB mondial, ça représenterait 35% du commerce international, donc vraiment des choses massives. Peut-être juste un petit mot sur la gouvernance de cette initiative en Chine. Elle repose beaucoup sur des grandes entreprises publiques chinoises dans le domaine de la construction, dans le domaine ferroviaire, du génie civil. Elle repose aussi sur des acteurs privés, Alibaba, ZTE, et des acteurs qui ne sont pas des acteurs d'infrastructures de transport ferroviaire, etc. Donc c'est vraiment très large. Et évidemment, au niveau central, le gouvernement chinois pilote tout ça avec des groupes de travail, des leading groups sur les routes de la soie pilotées au plus haut niveau de l'État par Xi Jinping. Alors, à quoi ça répond l'initiative des routes de la soie pour la Chine ? Ça concourt au soutien de la croissance de l'économie chinoise qui était quand même aujourd'hui exposée à plusieurs vulnérabilités majeures. On peut considérer que le premier défi auquel répond ce projet, c'est un défi géostratégique central, sécurisation des approvisionnements en matières premières de la Chine. Et ça, c'est un objectif central, et notamment quand on voit que la dépendance de la Chine au détroit de Malacca, par lequel transitent plus de 80% des importations de pétrole, on voit bien l'importance aussi d'une route maritime qui ne passe pas par le détroit de Malacca en Malaisie. C'est aussi accélérer le développement des provinces chinoises les moins dynamiques. Parce que, vous le savez, il y a un différentiel énorme de développement entre la façade maritime de la Chine, Shanghai, Canton, etc., et puis l'Ouest, qui est beaucoup moins développé, par exemple la province du Xinjiang, avec des niveaux de PIB par habitant qui sont, dans les provinces de l'Ouest, 4 fois moindres que les niveaux qui sont des niveaux occidentaux de la façade maritime. Et donc, d'une certaine manière, c'est la continuation de la politique vers l'Ouest chinoise qui date pas d'hier.
C'est aussi un moyen, BRI, de diversifier les débouchés de la Chine et puis d'accompagner la montée en gamme de l'économie chinoise. Et de ce point de vue-là, ça ne peut pas ne pas être mis en relation avec le grand plan chinois qui a été présenté en 2015, qui s'appelle, que vous connaissez peut-être, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui s'appelle China Manufacturing 2025, qui est en fait un grand plan de politique industrielle qui fixe des grands objectifs sur 10 secteurs avec des objectifs en termes de part de marché qui sont extrêmement précis en part de marché mondiale et notamment dans les technologies de l'information et de la communication. L'objectif, c'est en gros que 40% du marché mondial soit contrôlé par la Chine. Donc on est vraiment sur une ambition marquée. Et puis le dernier point aussi, c'est réduire les surcapacités chinoises. Parce que, évidemment, la Chine avait beaucoup d'usines d'acierie, etc., qui, avec le changement du modèle de croissance chinois, moins fondé sur des industries lourdes sidérurgiques, a entraîné la fermeture d'usines. Et pour, d'une certaine manière, amortir ce changement, construire des routes ferroviaires, des voies ferroviaires, et puis des routes à l'extérieur de la Chine, ça permettait d'amortir tout ça. Je me dépêche, juste, pardon. Il y en a trois cartes, quatre d'ailleurs, pour montrer les différentes dimensions de BRI. On a parlé de routes ferroviaires, donc vous voyez des corridors ferroviaires qui relient par exemple la Chine au Cambodge, au Laos et jusqu'à la Thaïlande. Une grande voie Chongqing-Duisbourg en Allemagne qui se prolonge vers la France à Dourges pour le fret ferroviaire. Voilà, donc c'est la connectivité ferroviaire, c'est aussi de la connectivité portuaire, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. C'est de la connectivité énergétique, et notamment via l'Asie centrale. C'est aussi numérique et économique, avec notamment de la fibre optique au Pakistan. En Malaisie, une Digital Free Trade Zone par Alibaba, donc un des acteurs que j'évoquais tout à l'heure. Et puis la multiplication de zones économiques spéciales pour dynamiser le commerce. Avec la Biélorussie, en Éthiopie, un parc industriel à du Dongguan. Donc voilà, c'est vraiment une initiative avec des facettes très nombreuses. Pour soutenir cette initiative, la Chine, elle a mobilisé des moyens financiers considérables. Alors c'est extrêmement compliqué de savoir combien, parce que en fait les chiffres, on en a peu. On peut néanmoins dire qu'elle a créé un certain nombre d'institutions, ou mobilisé un certain nombre d'institutions au service du financement de cette initiative. Elle a créé des institutions financières internationales, la New Development Bank avec d'autres grands pays comme l'Inde, la Russie. Elle a créé aussi l'Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, la New Development Bank n'est pas explicitement en charge du financement de BRI, mais qui concourt à son financement. Et en passant, la plupart des grandes banques multilatérales ou des institutions financières internationales ont signé avec les autorités chinoises des accords de coopération en lien avec BRI, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, le FMI. Donc voilà, la Chine engage, essaye d'engager avec elle le système multilatéral. Elle a mis en place, la Chine, des véhicules financiers, le Silk Road Fund, par exemple, dont capital mobilisable au total, c'est environ 75 milliards de dollars, ce qui permettrait en gros de faire 2 milliards de financement par an, et aussi des fonds provinciaux qui ont le même mandat que le Silk Road Fund, c'est-à-dire promouvoir et financer les routes de la soie. Mais l'essentiel des financements, il provient des banques commerciales, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, qui sont en mesure de lever plusieurs centaines de milliards de dollars sur cette initiative. Banque commerciale et aussi les policy banks chinoises. Policy bank, ça veut dire la China Development Bank, qui est la banque de développement chinoise, et l'Exim Bank chinoise, c'est-à-dire la banque qui finance les exportations et les importations de Chine. Alors,
on peut comprendre, et enfin, en tout cas la question se pose de savoir si les routes de la soie, c'est pas une stratégie globale qui finalement est un vecteur de la promotion d'une nouvelle gouvernance mondiale aux caractéristiques chinoises. Entre guillemets, les caractéristiques chinoises, parce que c'est une expression qu'on retrouve souvent dans les discours publics chinois aux caractéristiques chinoises. Alors, premier élément, diplomatie des sommets. Avec la promotion de nouvelles instances de gouvernance, le Belt and Road Forum, qui a été réuni pour la première fois en mai 2017, avec plus de 100 pays partenaires invités, représentés souvent à des très hauts niveaux, des institutions financières internationales, des institutions internationales représentées. Plus récemment, il y a quelques jours, la China International Import Expo, donc à Shanghai, qui s'est tenu début novembre et qui réunissait aussi un certain nombre d'acteurs pour montrer à quel point la Chine entendait aussi importer et pour montrer que la route de la soie, c'était pas seulement les exportations de la Chine vers le monde, mais aussi l'accès au marché chinois. Il y a aussi l'organisation de nombreuses conférences internationales, des sommets thématiques en lien avec la BRI. Alors, je voudrais en citer quelques-uns parce qu'ils sont pas si faciles à retenir. On a eu par exemple en mai 2018, la Belt and Road Initiative Tax Cooperation Conference à Astana, ce qui ne paraissait pas nécessairement intuitivement tout à fait en lien avec Belt and Road. On a eu en juillet 2018 le Forum on the Belt and Road Legal Cooperation à Pékin. Et plus récemment, en octobre 2018, on a eu la Belt and Road Energy Ministerial Conference dans une ville qui s'appelle Suzhou. Et donc on voit bien que la Chine, à travers Belt and Road, elle cherche aussi à avoir un pied et un poids beaucoup plus important dans la définition des normes et des standards internationaux. C'est aussi une diplomatie des Memorandum of Understanding, je me dépêche Serge, avec la recherche d'accords bilatéraux avec les pays partenaires, accords bilatéraux qui comprennent des plans d'action, des comités de pilotage, et au final, c'est une approche multilatérale. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas dans une gouvernance multilatérale au sens classique où on se met tous dans une pièce et on discute. On est dans une approche où la Chine va aller voir 15 pays à la suite en bilatéral, donc dans une situation d'asymétrie totale de force, parce que quand vous êtes la Slovénie, au bras de fer, vous perdez, et qui permet à la Chine de faire valoir ses arguments avec beaucoup plus d'efficacité que dans une instance multilatérale classique où c'est un homme ou une femme, une voix, et c'est plus difficile. Et de ce fait-là, se pose la question de la concurrence à long terme avec des instances internationales comme le G20, comme l'Organisation mondiale du commerce, voire l'Organisation des Nations unies. Il y a un certain nombre d'éléments de langage, comme on dit dans la poésie administrative chinoise, comme la communauté de destin partagée pour l'humanité. Alors, quand on vous dit ça, ça paraît, ça mange pas de pain. La communauté de destin partagée pour l'humanité, c'est chouette. En vérité, ça peut paraître en décalage avec des principes et des valeurs qui sont portés, entre autres, par les Nations Unies. Et finalement, petit à petit, on se laisse détourner des grands principes fondateurs d'un certain nombre d'organisations gagnés par la rhétorique chinoise. Et donc, BRI, ça pose un certain nombre de défis dans les pays où elle est déployée. Ça pose le défi de la soutenabilité, alors en premier lieu, de la soutenabilité des financements. Donc la Chine, avec ses financements, elle concurrence beaucoup d'apports, beaucoup de bailleurs de fonds traditionnels européens, ce qui ne serait pas en soi un problème, puisque c'est un nouvel acteur. C'est un problème si ces financements ne permettent pas aux pays dans lesquels ils sont déployés de se développer de manière durable, en cohérence avec les politiques publiques des pays concernés. Et en cela, l'initiative chinoise, elle pourrait être porteuse de modifications très importante dans les équilibres macroéconomiques des États concernés. Au premier rang, Alice le signalait, la dette extérieure, et on voit que la part de la dette de la Chine dans la dette extérieure de beaucoup de pays a augmenté, et pour certains pays, les a mis dans des situations proches du surendettement. On peut penser au Pakistan, on peut penser à Djibouti, on peut penser à d'autres pays africains. Et donc c'est ça, le point central, c'est véritablement que comme la Chine est devenue maintenant un créancier public international de premier rang,
il est vraiment central que toute la gouvernance qui a été mise en place, en particulier pour le financement du développement, soit pris à bras le corps par la Chine et appliquée à la Chine, et par exemple, notamment des principes du G20 sur le financement soutenable. Des défis rapides. Ouais, des défis rapides. Bon, les retombées économiques pour l'Europe, ça dépendra de l'ouverture de l'initiative. On estime qu'il y a moins de 5% des projets financés par la Chine qui reviennent à des entreprises qui ne sont pas chinoises. Combien, pardon ? Alors, je cite un chiffre, mais comme on est filmé, sur lesquelles on peut s'appuyer exhaustif, parce que par définition, il n'y a pas de liste de projets. Donc, s'il n'y a pas de liste de projets, c'est difficile de définir des ratios. Mais en tout cas, l'immense majorité des projets, ils reviennent à des entreprises chinoises. Et c'est pour ça que c'est plus que jamais nécessaire de généraliser les standards internationaux existants pour permettre que les conditions de concurrence soient équitables. C'est par exemple la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption, c'est des pratiques de soutien aux exportations qui soient transparentes et qui respectent les normes. La réponse européenne et française, c'est une réponse qui se veut ouverte, mais avec un certain nombre de conditions, précisément pour que cette initiative bénéficie réellement aux pays qui les reçoivent. Et donc, ça veut dire une initiative qui est ouverte, qui est respectueuse des règles de marché, qui est respectueuse des standards et des normes internationaux. Et c'est une position qui a été défendue par l'Europe au forum de mai 2017 au bord. Et c'est quand même une petite victoire parce qu'on a réussi en européen à se coordonner pour offrir une réponse commune. Et je peux vous dire que ce n'était pas nécessairement simple et que ça a continué de ne pas l'être. La position française, elle répond à la position européenne et au message commun qui avait été passé à Pékin. C'est exigence de transparence, interopérabilité, la soutenabilité économique, financière, sociale, environnementale. Et vous demandiez, je crois qu'il y avait une question sur quel est l'avantage des entreprises françaises, etc. C'est ça, c'est que les entreprises françaises, les règles sociales et environnementales, elles sont censées les respecter, elles les respectent. Et c'est, d'une certaine manière, quand on regarde tout le tableau, c'est un avantage sur la scène internationale. Et cette position, elle a été exprimée par le président de la République, Asian, en janvier dernier. Dans son premier déplacement en Chine, le président de la République, il a salué l'initiative parce qu'effectivement, elle offre des opportunités. On évoquait les grands besoins d'infrastructures en Asie. Mais il s'agit de mettre en garde la Chine contre les dérives de routes qui, je cite, mettraient en état de vassalité les pays qu'elle traverse. Et donc, pour que ça ne soit pas le cas, il faut que les routes de la soie elles soient environnementalement soutenables, que l'initiative elle soit déployée dans des conditions de concurrence équitable et surtout qu'elle soit soutenable. Merci et désolé d'avoir parlé trop longuement. Merci beaucoup Martin, c'était très complémentaire. Deux questions, notamment la seconde qui portera sur le volet financier et la soutenabilité, si je puis dire, sur les financiers, sur lequel je suis sûr que Jean-Raphaël Chaponnier a des choses à dire aussi. La première question, vous avez évoqué un peu l'ambition du projet, et vous avez parlé de l'Arctique. Alors, on a une question dans la salle pour dire l'Arctique jusqu'où, et c'est vrai que c'est intéressant, parce que, vous le savez, la Chine se présente comme le parangon de la vertu en termes climatiques, depuis que Donald Trump s'est retiré de l'accord de climat de 2015, donc on va verdir l'économie, etc. Et en même temps, vous avez expliqué tout à l'heure le besoin pour le pays de conforter ses ressources. Et donc d'un côté, on est partisan de défendre le climat à tout prix, de l'autre, les dirigeants chinois prient tous les matins pour que la banquise dégèle au plus vite et que le Groenland disparaisse et qu'on ouvre enfin ses routes maritimes. C'est quand même ça la situation. Est-ce que c'est une réelle opportunité? Les Chinois ne sont pas les seuls d'ailleurs. Toutes les grandes compagnies maritimes sont à pied d'œuvre, ont déjà fait des schémas. Et là aussi, ils prient tous pour le dégel très très vite. Donc il faut balancer de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère pour que le dégel intervienne très vite et qu'on puisse avoir accès à ces ressources extraordinaires qui sont au Groenland. Première question. Deuxième question sur l'aspect financier. Vous l'avez longuement évoqué. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème? C'est que la Chine, le taux de croissance de la Chine n'est plus ce qu'il était. Hein, on tourne combien? 6% à peu près? 6,2, 6,5, c'est ça. On était monté jusqu'à 14 dans une vie antérieure, mais quand même.
Et ces projets pharaoniques, alors ils ont bien compris qu'il fallait s'allier avec des tas d'institutions, Alice l'a rappelé, mais vous avez dit, vous avez évoqué trois scénarios tout à l'heure, dont le troisième qui était une sorte d'essoufflement. Est-ce qu'il ne faut pas ne pas le minimiser, c'est-à-dire une difficulté réelle pour le pouvoir chinois à avancer les fonds nécessaires, même s'il y a un relais encore, je l'expliquais là, à travers des institutions diverses et un relais local à travers les pays traversés. Je vous en prie, oui, oui. Alors, sur la première question, faut-il que la banquise fonde Non, je ne vous le souhaitez pas, j'en suis sûr, mais... Personnellement, à titre personnel, je ne le souhaite pas. Oui. J'aime la banquise. Est-ce que le dirigeant chinois le souhaite En fait, je pense que la question c'est plutôt qu'il il ne veut pas être en reste sur des opportunités ouvertes potentiellement par ces changements climatiques. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, sachant que la question climatique, pour le gouvernement chinois, c'est une question centrale, c'est une bombe. C'est-à-dire que pourquoi la Chine est aussi active dans la gouvernance environnementale avec la COP21, le One Planet Summit, pourquoi le président Xi Jinping se met en avant? Parce qu'en Chine, socialement, les niveaux de pollution atteints dans les villes sont un facteur majeur de mécontentement potentiel pour les Chinois. Donc ça, c'est pour la partie environnementale. Sur la deuxième question, sur l'essoufflement, je voudrais peut-être dire un mot de l'essoufflement ou d'une certaine fatigue dans les pays récipiendaires. Parce que il y a quand même, au niveau social, dans certains pays, une forme de rejet de ce qui peut être perçu comme de l'hégémonisme chinois. Quand on regarde la Malaisie, les dernières élections présidentielles et le changement qui a été opéré et le départ et l'élection de l'opposant, elle est quand même très fortement liée à la question chinoise et à la question de la présence chinoise en Malaisie. Donc oui, dans certains pays, et notamment le Pakistan aussi, il y a de temps en temps des insatisfactions qui se font jour. Merci. On reviendra peut-être un peu sur ce sujet. Alain Labat, je vous donne la parole pour nous parler un petit peu, vous l'avez évoqué tout à l'heure à travers un exemple très précis, mais d'une façon beaucoup plus générale, donc l'implication des collectivités territoriales, et notamment la vôtre, vis-à-vis de ce projet chinois. D'accord. Merci, bonjour à tous. Donc en tant que seul provincial sur cette estrade, donc, je vais vous dire quelques mots sur la façon dont nos territoires, hein, essentiellement la région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole de Lyon, abordent cette question de la Belt and Road Initiative. La question a deux aspects, puisque nous sommes à Lyon, d'abord un aspect historique, et l'autre qui regarde naturellement l'actualité. Quand cette initiative a été lancée en 2013, et jusqu'à la visite présidentielle donc de janvier 2018, cette initiative chinoise n'a pas véritablement intéressé grand monde en France. C'est un euphémisme, mais elle a eu, bien sûr, à Lyon, un écho particulier au regard de l'histoire de notre ville avec la Chine, puisque Lyon a, et c'est certainement la seule métropole européenne dans ce cas, une histoire particulière avec la Chine, particulière à la fois par l'ancienneté de ces liens et par la continuité de cette relation. C'est une histoire qui remonte au XVIe siècle, puisque nous étions à l'époque la capitale, l'une des capitales européennes de l'imprimerie, et c'est à Lyon, dans la rue Mercière, qui comportait à l'époque autant d'imprimeurs qu'aujourd'hui de restaurants, qu'ont été imprimés donc d'abord en latin, ensuite en français, les premiers ouvrages donc sur la Chine, à partir des témoignages des missionnaires, ouvrages fondateurs donc du savoir européen sur cette partie du monde. Et puis, au XVIIe et XVIIIe siècle, donc dans ce qui est aujourd'hui le lycée Ampère, et qui s'appelait à l'époque le Collège de la Trinité, l'Église catholique avait souhaité donc que soient rassemblés tous les jeunes qui se destinaient aux missions en Extrême-Orient. Et elle avait par conséquent voulu que cet endroit soit aussi le réceptacle de toutes les informations dont on pouvait disposer sur cette partie fort inconnue du monde. Lorsqu'on arrive au XIXe siècle, bien sûr, c'est l'aventure de la soie, puisque vous savez aussi peut-être que grâce à François Ier, la ville de Lyon donc avait obtenu le monopole de la fabrication de la soie, et que lorsqu'on arrive au milieu du XIXe siècle, notre ville donc a supplanté Londres comme capitale européenne de la soie. C'est ce qu'on appelle la fabrique ou la grande fabrique lyonnaise, hein, chère à beaucoup d'hommes célèbres, hein, de Colbert à Napoléon, mais qui, en ce milieu du XIXe siècle, donc, connaît un problème majeur. Il y a une maladie du ver à soie qui décime absolument tous les élevages de la vallée du Rhône, et les soyeux lyonnais donc, sont contraints de se tourner vers des sources d'approvisionnement nouvelles, en l'occurrence la Chine.
Il bénéficie bien sûr grandement de l'ouverture du canal de Suez en 1869 et des liens extrêmement forts et durables se nouent donc entre Lyon et la Chine. En 1860, Lyon a établi à Guangzhou, à Canton, donc dans la Chine du Sud, une condition des soies en tout point semblable à celle qui existait à Lyon à la même époque. Et à cette époque-là, donc, plus de la moitié des soies grèges qui sont exportées depuis Shanghai ou Guangzhou le sont à destination donc, de Lyon. Ça donne aussi lieu à une épopée commerciale donc tout à fait particulière, puisque à cette même époque, la Chambre de commerce de Lyon, associée à celle de Saint-Étienne, donc décide d'entreprendre deux grandes expéditions d'exploration commerciale de l'Empire chinois. C'est absolument unique donc sur notre continent, qui ramène donc à Lyon des informations bien sûr très précieuses sur la sériciculture, sur le textile, mais bien au-delà, hein, qui font véritablement connaître les ressources commerciales de la Chine à Lyon, en France, et puis aussi un petit peu au-delà. Au point que, en 1896, à l'occasion de la première visite d'un homme d'État chinois en France, dans l'histoire, cet homme d'État était Li Rongchang. Le nom ne vous dit sans doute rien, mais c'est quelqu'un de très important dans la Chine du 19e siècle. Il était notamment en charge de ce qu'on appelait à l'époque les affaires barbares, qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie. Et à la grande stupéfaction donc, du Quai d'Orsay, il demande à visiter Lyon. Quai d'Orsay se dit, mais enfin, dans un trou pareil, enfin, pourquoi est-ce que... Enfin, bien, ça n'a pas trop changé. Donc, il souhaite simplement venir voir ce qu'est l'économie séricicole à Lyon. Et il passe une journée, donc, dans notre ville. Dernier exemple de ces liens particuliers, en ce début du XXe siècle, maintenant, donc, cette Chambre de commerce de Lyon aussi fait pression sur l'Université de Lyon pour qu'elle crée un enseignement de langue chinoise. Les soyeux font valoir qu'ils ont vraiment besoin de gens qui parlent cette langue, que l'on n'appelle pas à l'époque le chinois, mais qu'on appelle le tartare manchou. L'université est aussi réceptive qu'aujourd'hui, et donc la Chambre de commerce prend l'initiative de financer elle-même des cours de chinois. Ces cours de chinois, en 1913, sont transformés en une chaire universitaire d'enseignement du chinois, toujours financé par la Chambre de commerce de Lyon, qui est la première de ce type en France, puisque les autres universités enseigneront le chinois après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, bien sûr, il y a, entre 1921 et 1946, l'épisode de l'Institut franco-chinois de Lyon, la seule université chinoise qui ait jamais existé hors de Chine, et qui, dans ces années-là, donc, forme un demi-millier de jeunes gens et jeunes filles qui deviendront des sommités dans le domaine de la culture, des sciences et des techniques à leur retour en Chine. Et autour de cette institution gravitent des gens qui sont fort jeunes à l'époque, mais qui deviendront donc les fondateurs et les dirigeants de la future République populaire de Chine. Et puis ces liens sont aussi portés, bien après cette période, par des entrepreneurs. Vous connaissez certaines grandes figures, Émile Guimet, chimiste et lyonnais, donc qui met sa fortune immense à la disposition donc, de la connaissance des civilisations d'Extrême-Orient. Paul Berliet, hein, qui est le premier industriel français dans les années 55 à travailler avec la Chine, avant même l'établissement de relations diplomatiques entre nos deux pays. Vous connaissez la famille Mérieux, etc. Ces relations donc très particulières ont connu bien sûr une éclipse entre 1965, début de la révolution culturelle, et 1980, début de la politique d'ouverture et de modernisation. Et donc aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Au niveau régional, donc notre nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes est à la fois la seconde région exportatrice française vers la Chine et la seconde région française importatrice depuis la Chine. Elle reçoit 8% des investissements directs étrangers chinois. Nous avons 160 entreprises rhône-alpines donc, qui sont implantées en Chine. Le territoire régional en accueille un petit peu plus de 80. Et nous sommes, pour donner aussi un ordre d'idée, hein, en termes de PIB, donc la 8e région européenne. Pour ce qui est de la métropole de Lyon proprement dite, qui existe depuis peu, vous savez, 2015, donc la Chine est aujourd'hui le 6e pays investisseur dans la métropole de Lyon. Nous avons une trentaine d'entreprises à capitaux chinois. La plus importante d'entre elles est Elkem Silicon, une entreprise donc de chimie qui emploie 600 personnes et qui, d'ici 2020, donc, va investir 100 millions d'euros pour l'extension de son site qui se trouve donc dans notre fameuse vallée de la chimie. Il y a aussi des groupes comme NFM Technologies, donc, qui fabriquent des tunneliers, des grands groupes chinois que vous connaissez peut-être, Huawei, Haier. D'autres moins connus, SilkPay, qui fabrique ici des moyens de paiement mobiles, et dans quelques semaines va s'implanter une autre entreprise chinoise, Sunmi, qui est spécialiste donc des terminaux de paiement professionnels.
Nous avons par ailleurs deux pôles de compétitivité métropolitains qui se sont installés en Chine récemment, l'un qui s'appelle Biopole et l'autre qui s'appelle Accéléra. Ces liens sont bien sûr économiques, mais fort de l'histoire que j'ai évoquée, ils concernent aussi la formation, puisque si l'on associe donc les deux campus de Lyon et de Saint-Étienne, on arrive à un total d'un peu plus de 5000 étudiants chinois et 40 accords interuniversitaires entre des établissements d'enseignement supérieur de la métropole et la Chine, sachant que les deux pilotes de ceux-ci sont EM Lyon, l'école de management de Lyon, qui a un campus à Shanghai, et puis également l'INSA de Lyon. On est dans le domaine, bien sûr, de la coopération décentralisée et dans le cadre à la fois des relations Shanghai-Auvergne-Rhône-Alpes, qui datent de 1986, et du jumelage qui a été conclu entre Lyon et Guangzhou, canton, en 1988. Donc, cette coopération s'oriente de plus en plus sur le développement urbain durable, la ville intelligente, les nouvelles mobilités, etc. Et nous avons eu le plaisir, il y a à peine 6 jours, de voir Lyon donc recevoir un prix avec deux villes chinoises, donc Shenzhen et Chengdu, qui ne sont pas les moindres des villes chinoises. Un prix donc attribué par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, et qui est une récompense pour les villes pionnières dans le domaine des technologies vertes et de la réduction des émissions de carbone. Dernier volet donc de ces relations, c'est bien sûr le tourisme qui est récent. Le nombre de touristes chinois sur la métropole a doublé entre 2016 et 2017, mais bien sûr, Auvergne-Rhône-Alpes est loin d'être la première région donc, de prédilection des touristes chinois. Vous le savez sans doute, c'est la Bourgogne-Franche-Comté pour des raisons plutôt culturelles et aussi vinicoles, hein, soyons francs. Alors comment est-ce que dans ce contexte donc, notre collectivité territoriale aborde cette Belt and Road initiative? On a parlé du train. Pour elle, les choses sont assez simples. Tout projet étiqueté Nouvelle Route de la Soie, Belt and Road Initiative, sera tamisé avec un filtre qui s'appelle le plan de développement économique de la métropole et qui va de 2016 à 2021. C'est en réalité donc la feuille de route votée par l'exécutif qui fixe les objectifs de la collectivité territoriale en matière de développement économique, en matière de formation, en matière d'attractivité, et puis aussi, vous savez combien le sujet est sensible, en matière de lien avec les territoires périphériques. Les ambitions donc de cette feuille de route métropolitaine, qui court jusqu'en 2021, comme je l'ai dit, veut faire en sorte donc que la métropole de Lyon soit ce qu'on appelle dans ce document une métropole fabricante. Ça veut dire que le taux d'emploi industriel ne descende pas en dessous de 18%. Elle veut aussi en faire une métropole apprenante. Nous sommes déjà le deuxième pôle universitaire français, avec 15% d'étudiants étrangers sur la métropole. Pour ce qui concerne la Chine, 3500. Mais l'objectif est notamment avec un nouveau campus de la Doua qui sortira de terre dans quelques années, augmenter ce chiffre, accueillir plus d'étudiants chinois, mais surtout les accueillir mieux. Donc métropole, vous voyez, fabricante, apprenante, elle veut aussi être attirante. Elle s'est donnée pour objectif d'accueillir un minimum chaque année de 100 nouvelles entreprises, étrangères ou françaises, créatrices d'un minimum de 2000 emplois. Et depuis 2016, donc, cet objectif a été non seulement atteint, mais aussi dépassé, grâce à ce qu'on appelle la DERLI, l'Association pour le développement économique de la région lyonnaise. Et puis elle veut aussi être entraînante, notamment pour nos territoires voisins. Donc, on a entamé une réflexion donc, stratégique, entre guillemets, sur cette Belt and Road Initiative, qui consiste à voir quelles peuvent en être, bien sûr, les opportunités, quels en sont également les risques. Pour l'instant, donc, cette réflexion a donné lieu à deux sortes de choses. D'abord, une sensibilisation de nos élus, une pédagogie de cette initiative chinoise à l'intention de nos décideurs politiques. Ils auront d'ici quelques jours, donc pour les principaux d'entre eux, une synthèse adaptée bien sûr aux préoccupations qui sont celles de ce territoire du rapport de l'IFRI, celui aussi du Sénat, puisque la commission des affaires étrangères des forces armées du Sénat a aussi produit un rapport sur les nouvelles routes de la soie et quelques recommandations en la matière. Deuxième volet, c'est la même chose, c'est-à-dire pédagogie et sensibilisation de nos décideurs et acteurs économiques. Il est prévu donc des présentations de l'initiative chinoise
dans le cadre de la Derli, dans le cadre de la Chambre de commerce, dans le cadre de ce qu'on appelle Only Lyon, qui est la marque à l'international de la métropole. Ceci donc en complément avec ce que fait déjà en la matière le comité Franchine du MEDEF, qui est très actif dans ce domaine-là, et puis également l'association franco-chinoise de droit économique, dont le président fondateur et son cabinet à Damas sont lyonnais et furent dans les années 80, donc le premier cabinet d'avocats français à s'installer en Chine. Troisième point, et je terminerai là-dessus, donc c'est aussi la recherche de synergie. On a commencé à travailler avec le GPM. Le GPM, ce n'est pas une nouvelle avancée sociétale, c'est le grand port de Marseille, qui lui aussi donc essaye de se positionner sur ses nouvelles routes de la soie. Il a renouvelé un accord ancien avec le port de Shanghai et il essaye donc de capter, en fonction des cartes que vous avez vues là, des parts de marché, dans une démarche qui est à la fois maritime, bien sûr, et aussi numérique, puisque Marseille est le terminal d'un grand nombre de câbles sous-marins qui viennent notamment d'Extrême-Orient. Voilà quelques mots donc, sur la vision qu'on peut avoir ici donc, de cette initiative. Merci beaucoup. Merci pour ce panorama très complet des atouts et des ambitions de la ville et de la métropole. J'aurais une question par rapport à ce que vous avez dit. Donc la région, et vous êtes la deuxième région exportatrice vers la Chine. Est-ce que vous vous débrouillez tout seul ou est-ce que vous avez des liens avec les autres régions pour renforcer donc votre assise exportatrice? Et est-ce que, d'après la vision que vous en avez très concrète, est-ce que vous ne regrettez pas quelque part que la position française soit pas un peu plus dynamique, même si on comprend l'attentisme ou la distance qu'elle observe jusqu'à présent et qui a été évoqué tout à l'heure par Martin Landais? Est-ce que, d'abord, concrètement, est-ce que vous êtes en lien avec les autres régions pour être plus fort, être plus présent? Et ensuite, est-ce que la position française vous convient? On est off, hein, toujours. Alors, écoutez, je ne suis pas mandaté pour parler au nom du président de la région et encore moins au nom du président, au nom du maire de Lyon. Vous savez que leurs relations ne sont pas forcément toujours idylliques et qu'ils partent rarement en vacances ensemble, donc je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là. Simplement, bien sûr, les régions coordonnent leur action. Il y a deux niveaux, si vous voulez. Il y a d'abord au ministère des Affaires étrangères et depuis un certain nombre d'années donc ce qu'on appelle la délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales qui essaye, oui, non pas de chapeauter parce que bien sûr c'est impossible et ce serait fort maladroit, l'action extérieure de ces collectivités territoriales, mais leur donner un minimum de cohérence et surtout de faire en sorte, si vous voulez, que cette action de nos territoires soit dans la ligne de ce que décide le gouvernement français qui est jusqu'à présent seul compétent dans ce domaine donc régalien. Autrement, ces associations donc, ont aussi des liens à travers des institutions qui sont l'Association des maires de France, Cité Unie de France. Et donc, pour vous donner un seul exemple, va se tenir donc, les 12 et 13 décembre à Toulouse, les 6e assises de la coopération décentralisée franco-chinoise qui fait le bilan tous les 2 ou 3 ans donc, de l'action des villes et des régions françaises qui ont des liens avec les municipalités et les provinces chinoises. Ouais, ça va se dérouler donc dans quelques temps, et ça associe donc à la fois le ministère des Affaires étrangères sous l'espèce de cette DAECT, les élus français et les élus chinois. Mais sachant que, pour le reste, vous savez bien sûr que ces collectivités territoriales sont d'abord et avant tout au service des acteurs économiques. Merci beaucoup. On va se tourner vers vous, Jean-Raphaël Chaponnière, sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les critiques ou les observations que vous pouvez faire sur ce qui a été évoqué précédemment. Merci. Je ferai rapidement 3 points. Un, montrer que c'est très difficile de mesurer ce qui se passe, parce qu'on a parlé d'annonces jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, un petit coup de projecteur sur ce qui se passe, ou ce qu'on peut penser ce qui se passe. Micro. Un coup de projecteur sur l'Asie centrale. Et je reviendrai enfin sur le bien fondé, en fait, de ce programme pour les pays d'accueil. Alors, c'est très difficile à mesurer. Alors, à vue de nez, à peu près la moitié de l'assistance ici est née après le PC. Et lorsque les PC sont diffusés dans tous les espaces, dans les années 80, Robert Solow avait écrit « On voit des ordinateurs partout, sauf dans les chiffres de productivité ». Alors on peut dire la même chose des routes de la soie. On les voit partout, et on en fait partie d'ailleurs. Donc ça, c'est une victoire des Chinois, mais on ne les voit pas dans les stats. On ne les voit pas du tout dans les statistiques. Et en fait, qu'est-ce que vous voulez dire? On ne voit pas du tout, parce que je vais expliquer. On ne les voit pas dans les stats, parce que du fait du flou qui entoure tout ça, qui a été un peu décrit. Alors, les Chinois sont très irrités quand on compare
les routes de la soie au plan Marshall, parce qu'ils se défendent d'avoir des objectifs géopolitiques et ils ont une vision assez bisounours des routes de la soie. Ils seront encore plus irrités de la comparaison que je vais proposer, c'est la comparaison à la sphère de coprospérité des années 30, qui était envisagée par le Japon, qui n'a jamais été réalisée sinon dans une sphère de copauvreté. Mais les deux projets ont des points communs, le flou et le concept. Le concept, coprospérité, les Japonais disaient pas gagnant-gagnant, mais c'est pareil. Le flou, la géographie de la sphère de coprospérité, alors celle de la route de la soie, on nous l'a dit, celle de la sphère de coprospérité était tout aussi floue, et on a évoqué à propos d'elle le Furukishiki. Le Furukishi, si vous êtes à Paris, il y a une exposition des Furukishiki devant l'hôtel de ville. C'est ces baluchons en tissu qui servent et qui grandissent en taille, qui servent à transporter un peu tout. Et donc, c'était l'idée que les contours pouvaient augmenter. L'incertitude aussi, c'est dans non seulement l'espace, mais dans le temps. Puisqu'en fait, il y a des projets qui ont déjà été faits et qui sont réintroduits dans la liste, mais en fait, il n'y a pas de liste. Et il y a toute une industrie de consultants qui se fait une liste maintenant. Le dernier projet, il y a des publications bimensuelles. La dernière que j'ai reçue ce matin, le plus grand projet en cours qui a été annoncé, c'est 2,7 milliards de dollars dans les Émirats pour un projet immobilier. On est quand même assez loin des routes. Grosso modo, ça, on est à peu près, on a pris un rythme de 100 milliards par an. Ça monte très vite. Qu'est-ce que ça veut dire 100 milliards par an ? C'est à peu près le montant des investissements étrangers chinois qui a énormément chuté, 186 milliards en 2016, est tombé à 140 milliards et qui va encore tomber puisque ça s'est effondré aux États-Unis. C'est à peu près la même chose, le même ordre de grandeur que les contrats de construction des Chinois à l'étranger. Ça signifie grosso modo que l'espace des routes de la soie se rapproche de l'espace de l'internationalisation chinoise. C'est un peu en fait la présentation qui était faite. Et maintenant, comment on peut mesurer ce qui se passe sur le terrain ? C'est très difficile, on n'a pas de liste. Micro. On n'a pas de liste. Comment contourner cette absence d'information ? Une possibilité, c'est de partir de l'idée que si c'est des grands projets, ils ont des effets macro. Et donc, de voir qu'est-ce qui bouge en termes d'échanges avec la Chine, qu'est-ce qui bouge en termes d'investissement, qu'est-ce qui bouge en termes de contrats de construction. Alors, je l'ai fait, ça, dans le cas d'Asie centrale. L'Asie centrale, bon, c'est cinq pays qui ne sont pas un enjeu commercial pour la Chine. C'est 70 millions d'habitants sur 8 fois la superficie de la France. Ça représente grosso modo le PIB du Maghreb et un tiers du PIB de la Turquie. Ce n'est pas un enjeu considérable. Par contre, c'est des pays qui vont de la Kazakhstan, c'est à peu près le PIB par habitant en PPA d'un pays balte. Les plus pauvres, plus l'Ouzbékistan, c'est à peu près des pays subsahariens. Et le Turkménistan, c'est à peu près le Maghreb ou en dessous du Maghreb. C'est donc des pays assez divers en termes de richesse qui ont un enjeu un peu énergétique, charbon, uranium, pétrole, gaz. Un enjeu, bien sûr, géoéconomique, c'est le Kazakhstan est le premier pas de la route qui a une excédence en dehors de Chine. C'est un enjeu politique considérable, parce que le Xinjiang... Vous avez dû lire dans la presse qu'il y a à peu près une minorité, parce qu'ils étaient chez eux avant, une minorité ouïghour, dont 1 million sont quand même internés. Et bien sûr que le souci de la Chine, c'est d'empêcher qu'un mouvement d'indépendance ouïghour ait des relais, dans les pays voisins. Donc il y a un enjeu politique considérable. Alors, c'est effectivement au Kazakhstan... Excusez-moi, Jean-Raphaël, si vous voulez bien rapprocher, parce qu'ils n'entendent pas dans le fond. C'est au Kazakhstan que Xi Jinping a lancé ce projet. Mais en fait, on oublie aussi, c'est que Li Peng avait fait la même chose en 1994, l'envoi des routes. Alors, si on regarde les projets, en fait, comment on peut mesurer ce qui se passe ? Si on regarde l'empreinte commerciale de la Chine en Asie centrale, elle a énormément augmenté après la chute et l'éclatement de l'Union soviétique, au détriment, bien sûr, de la Russie. Et puis, depuis 2013, en fait, ça s'est totalement stabilisé. La part de la Chine dans les importations de ces pays s'est stabilisée. Et c'est aussi stabilisé dans la part des exportations. Alors, il y a un effet prix, bien sûr, parce que les prix des matières premières sont chutés, mais de tous les autres, ça s'est stabilisé. Et donc, alors, elle est fait un peu jeu égal avec la Russie sur les exportations, si on n'oublie pas
qu'une part importante des exportations d'Asie centrale, c'est bien sûr des produits, mais c'est aussi des hommes. Les remises des immigrés qui viennent de Russie pour les pays d'Asie centrale sont considérables. Donc ça fait qu'en termes d'exportation, c'est à peu près comme la Russie. Donc en fait, on a une empreinte commerciale qui n'a pas beaucoup bougé. Quid de l'investissement? En fait, bon, d'abord, ce qui est étonnant, c'est voir que quand vous regardez ce qui s'est passé dans les provinces chinoises qui jouxent, enfin le Xinjiang, bon, le Xinjiang, tous les investissements dans le Xinjiang étaient à peu près, disons, 25% de plus que tous les investissements, je ne parle pas des investissements étrangers, tout ce qui est fait, la formation brute de capital fixe, tout ce qui était fait dans Xinjiang était un peu plus, 25% de plus que dans tous les pays d'Asie centrale. Et bien maintenant, les pays d'Asie centrale investissent moins, et il y a deux fois plus d'investissements dans Xinjiang. Quand on regarde ce qui se passe, c'est ça le plus étonnant, la construction. Les Chinois mesurent bien ce qui se passe, tout ce que font les entreprises chinoises de construction, leur réalisation à l'étranger. Curieusement, ça monte jusqu'en 2013 et ça diminue après. Si on regarde l'investissement chinois toujours en Asie centrale, ben on a à peu près la même chose, sauf pour les tout petits pays. Sur les tout petits pays, mais sur Kazakhstan, Ouzbékistan, ça diminue. En pourcentage et aussi en valeur. Donc on a quand même quelque chose d'assez étonnant. Alors on peut l'expliquer par ce que j'ai dit sur l'espace-temps, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, comme on a intégré des projets qui étaient faits avant, c'est vrai que ça avance moins vite. Il y a aussi les réticences, on a évoqué, hein, les réticences des pays qui sont quand même juste voisins, les réticences sur les achats, quand il y a eu des tentatives de rachat de terres. Bon, enfin, c'est le point. Alors ça ne veut pas dire que c'est vrai partout. Il y a des pays où la présence chinoise et l'empreinte commerciale chinoise augmentent très fortement. Je parle du Laos, par exemple, où un seul projet, la ligne de TGV qui traverse le Laos, enfin le projet enfin, qui est en construction, représente la moitié du PIB laotien. Dernier point quand même, et ça explique un peu, sans doute ça a été évoqué déjà, ça explique un peu le ralentissement et les réticences, c'est les justifications chinoises. Alors la Chine la Chine avance avec son expérience spectaculaire de développement. Elle le met en avant, et quand elle est arrivée dans l'aide, dans les crédits, la Chine a toujours financé, privilégié tout ce qui est infrastructure de transport. Je pense au Tazara qui a été construit entre la Tanzanie et la Zambie, 1600 km de voie ferrée, dans les années 70. Et donc, elle privilégie ça, elle l'a fait en Afrique, alors que les pays de l'OCDE, en fait, s'étaient détournés des infrastructures pour 36 raisons, mais aussi en estimant que faire des infrastructures, c'était potentiellement le boulot du privé, et que le public n'avait pas à s'y intéresser. Bon, depuis, ça a un peu changé. Bon, les Chinois sont arrivés là-dedans, et ils ont ce slogan qui justifie un peu tout, en disant « Construisons une route pour les riches ». En fait, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Quand vous regardez les statistiques de construction de routes en Chine, elles progressent assez lentement. Dans les années 80, quand la croissance était forte, elles progressent un peu plus vite dans les années 90, et c'est à partir de la crise et de la réponse à la crise que ça progresse très vite. Bon, en particulier le TGV. En fait, la Chine a fait quelque chose de tout à fait normal dans un développement. En fait, elle a répondu à des contraintes qui se sont créées par la croissance, les déséquilibres qui se sont faits par la croissance, en créant des infrastructures. Ce qu'elle propose aux autres pays, c'est de mettre la charrue avant les bœufs. Et effectivement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le fameux Tazara dont j'ai parlé tout à l'heure, il a été construit. Il devait, dans les premiers, c'est les années 70, il devait rouler une fois par jour. Il roule une fois par trois semaines, quoi. Parce qu'il n'y a, en fait, a rien à transporter. Et donc la connectivité ne crée pas en soi la croissance. Et c'est quand même ça, un peu, il me semble, le danger dans la présence chinoise. Et c'est en partie pour ça qu'on voit tous ces déconvenus. On a parlé à Sri Lanka donc, du port d'Ambota. C'était un éléphant blanc construit par la Chine. Les Chinois l'ont obtenu qu'il soit pris à 99. Pour un bail il y a 99 ans et qui deviennent chinois, ça a été une mauvaise manip parce que beaucoup de pays dans le sud-est asiatique se sont inquiétés. Vous avez la même chose qui s'est fait en Birmanie, un ralentissement, une revue à la baisse. On a évoqué la Malaisie. En Indonésie, des projets de TGV chinois qui n'ont pas commencé en termes de réalisation sont effectivement l'objet de débats. Donc, je ne veux pas dire par là que
que ça ne marche pas partout, comme je le vois en Asie centrale, mais il me semble que vendre les infrastructures comme clé du développement est en soi un leurre. Et beaucoup de pays tombent dans l'heure. Bon, il y a beaucoup, pour beaucoup de pays, la route de la soie sera sans doute positive, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont tomber dans le piège de la dette à cause de ça. Merci beaucoup. Merci pour ces réflexions qui viennent atténuer les propos précédents. J'aurai deux questions pour vous tout à l'heure, mais je voudrais d'abord répondre à la salle et au camarade Antoine du lycée Colbert, qui doit être par là, en lui disant qu'on a répondu tout à l'heure à vos questions. La deuxième question qui est posée, pourquoi aimez-vous la banquise? Je ne sais pas si elle m'est destinée, mais je n'ai pas une prédilection particulière pour la banquise, mais il faut bien vous dire tout simplement que le jour où elle aura fondu, le niveau des mers aura monté de 7 mètres. Et je vous donne rendez-vous pour savoir ce qui se passe sur les côtes et sur les petites îles, et vous n'irez plus aux îles Marshall ni aux îles Marquises, tout ça sera lié. Voilà pourquoi la banquise est très importante, outre le fait qu'elle régule complètement le climat, et si le climat a déjà beaucoup de problèmes actuellement, ça ne fera que s'aggraver. Voilà pourquoi mon amour immodéré pour la banquise et pour le Groenland. Je reviens vers vous sur deux points. Le premier, j'ai eu le sentiment que vous minimisez un petit peu l'intérêt de nos amis chinois pour l'Asie centrale, les petits pays qui ne sont pas très nombreux, machin. Moi, je veux bien. Bon, j'étais il y a quelques jours dans le Haut-Caucase, et notamment en Azerbaïdjan. Ça les intéresse beaucoup. L'Azerbaïdjan, c'est la mer Caspienne. Ils viennent de conclure un accord avec les pays riverains. C'est très important. Ils ont inauguré il y a peu de temps une route qui part de Bakou, Azerbaïdjan, où est le pétrole, qui va jusqu'à Tbilissi en Géorgie et qui va jusqu'en Turquie. Donc voilà, c'est important. La deuxième chose, c'est parce que vous avez prononcé un mot, celui d'un pays dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, et ce serait intéressant qu'on en dise un mot, et, y compris Alice et Martin, c'est le Japon. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Je veux dire, le Japon est le concurrent, surtout actuellement, très inquiet de la puissance, et notamment maritime, chinoise. Si le Japon voit donc cette emprise chinoise sur ce qu'on évoquait depuis le début, donc une grande partie du globe, qu'en est-il, je veux dire? Est-ce que, hein, j'aurais un mot là-dessus aussi, si vous l'avez évoqué, et Martin aussi. Un mot sur le Caucase, puis ce serait le Japon. Bon, sur le Caucase, à part la Géorgie, où il y a une entreprise chinoise extrêmement présente, pour le moment, c'est pas grand-chose. Il y a bien sûr des projets, parce que pour les Chinois, ce qui est très important, c'est de faire une alternative au passage par la Russie, pour aller effectivement à travers le Kazakhstan, traverser la Caspienne et rejoindre le transcaucasien qui existe. Mais bon, ça fait beaucoup de rupteurs de char. Pour le moment, le gros du trajet, il passe par Russie, Kazakhstan, puis il y a aussi le passage par l'Iran. Mais c'est marginal, hein, pour le moment. Oui, Japon, je laisse. Très brièvement sur le Japon, au départ le Japon était assez discret sur le projet de nouvelle route de la soie et il semble que dernièrement il envisage des opportunités de coopération et de rencontres bilatérales et puis en tout cas on note au niveau des visites et des rencontres un rapprochement relatif, relatif, il faut bien dire le sens des proportions en géopolitique, entre le Japon et la Chine par rapport aux années, on va dire, 2008, 2010, 2011, où les tensions étaient très vives autour de la mer Chine orientale. La page semblait tourner sur les routes de la soie. C'est un type de partenariat de coopération intéressant à suivre, compte tenu des tensions qui restent tout de même entre les deux pays. Est-ce que quelque chose est possible? Selon quel cadre? Bon, je ne veux pas vous forcer à la lire, mais je vous appelle quand même à lire l'étude, parce que moi-même, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question, puisqu'on est spécialiste du Japon à l'IFRI, mais on a écrit plusieurs pages spécifiques sur la réponse japonaise, qui demeure toujours actualisée, parce que les choses changent beaucoup ces derniers jours. Alors, trois choses rapidement sur le Japon. Je voudrais revenir sur le fait que le Japon, il est central à la Banque asiatique de développement. Et la création de l'agence pour les investissements, l'AIIB qu'on mentionnait tout à l'heure, elle, par la Chine, elle est évidemment liée à la prépondance du Japon à la Banque asiatique de développement. C'était pour faire concurrence, d'une certaine manière, à cette banque considérée par les Chinois comme trop japonaise. Ça, c'est le premier point. Et c'est pour ça que les Japonais ont été très réticents et demeurent encore, même si c'est un peu moins, vis-à-vis de l'AIIB. Après l'annonce de l'initiative Route de la Soie, le président japonais, le premier ministre japonais, a proposé, quand il était en Inde, une réflexion sur un espace indo-pacifique libre et ouvert.
Et ça, c'était une manifestation claire des réticences chinoises vis-à-vis de l'initiative, des réticences japonaises, pardon, vis-à-vis de l'initiative chinoise. Et ça avait vraiment pour objectif de montrer en quoi le Japon préconisait une approche différente, parce qu'il y a libre et il y a ouvert dans l'espace indo-pacifique. Et troisièmement, sur les routes de la soie, il y a eu quand même une approche pragmatique japonaise, et ça a été mentionné par Alice. Dernièrement, il y a eu des rapprochements et l'évocation de perspectives de collaboration en marché tiers entre japonais et chinois sur certains projets. Puisque vous avez le micro, vous allez le garder. On a parlé du Japon. Un mot, parce que c'est une question de la salle aussi, sur les États-Unis. Je sais que c'est mentionné dans vos deux différentes études, donc dites-nous 5 minutes. Les États-Unis, la politique donc de bagarre commerciale visant entre les Chinois et les Américains, et sur fond d'isolationnisme profond de l'Amérique. Alors, le cadre actuel de tension commerciale entre la Chine et les États-Unis, ça rend évidemment l'accès par la Chine à la diversification des débouchés chinois d'autant plus importante, et ça renforce finalement l'utilité pour la Chine de cette initiative des routes de la soie. Comment les États-Unis ont réagi vis-à-vis des routes de la soie? Honnêtement, au début, c'était pas du tout dans leur radar. Le premier grand forum sur les routes de la soie, donc on a évoqué, qui a eu lieu en mai 2017, les États-Unis, qu'on avait approché parce qu'on essayait d'avoir une réponse un peu commune avec tous nos grands partenaires, c'est quelque chose qui n'avait pas du tout dans le viseur et qui s'était de minimis. Enfin, on s'occupe pas de ces choses qui sont pas de notre, qui sont pas dans notre giron direct. Et finalement, cette approche-là, elle continue, même si désormais la Chine évoque les routes de la soie en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Peut-être que ça commencera à changer quand effectivement ils s'attaqueront vraiment à l'ère d'influence étroite des États-Unis. Pour l'instant, les États-Unis, c'est pas leur problème. Okay. Alice. Oui, et en même temps, tout à l'heure, Martin aussi évoquait le cadre indo-pacifique ou la stratégie indo-pacifique ou l'idée d'une initiative indo-pacifique qui a été développée par le Japon. Depuis, elle s'est consolidée, elle s'est renforcée. La France y prend une part active, les États-Unis aussi. Et dans le cadre donc de ce groupe de pays indo-pacifique, donc c'est un cadre géographique très large, semblent émerger aussi des initiatives concernant le développement des infrastructures. Les autorités américaines, par exemple, James Mattis avait évoqué au dernier un forum à Singapour il y a quelques mois la nécessité de développer des infrastructures soutenues par l'investissement privé dans la région Indo-Pacifique. Donc on pourrait voir émerger deux projets concurrents et cette émergence est tout à fait envisageable compte tenu du renforcement des tensions commerciales Chine-États-Unis. Tension commerciale, mais également tension géostratégique qui reste vive, tension conceptuelle, je dirais même idéologique, puisque la Chine aujourd'hui souhaite développer un nouveau partenariat de sécurité en Asie-Pacifique qui ne serait pas basé sur le système des alliances. Et donc si on rattache ça à la signature de MOU, qui peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais c'est quand même très intéressant, si on considère que la Chine dispose aujourd'hui d'un cercle de pays amis, en tout cas de pays qui ont signé formellement leur soutien aux initiatives chinoises, pourrait voir émerger deux groupes de pays, un groupe de pays alliés des États-Unis et un groupe de pays amis de la Chine, mais c'est une situation qui est difficilement comparable à celle de la guerre froide parce que la ligne ne serait pas claire entre les amis de la Chine et les alliés des États-Unis puisque la Chine a évoqué publiquement le fait qu'on pouvait être les deux et que les alliés des États-Unis étaient les bienvenus dans le nouveau partenariat de sécurité que la Chine souhaite développer et dans l'initiative des nouvelles routes de la soie. Donc c'est une ère passionnante à analyser sur fond de rivalité Chine-États-Unis qui pose aussi un certain nombre de questions à l'Europe. Merci. On a parlé abondamment à plusieurs reprises de cette quête, de cette chasse aux ressources naturelles à laquelle se livrent les grandes puissances. Il y a un continent dans ce domaine dont il faut peut-être parler 2 minutes, c'est l'Afrique qui regorge de ressources et qui est un continent encore assez pauvre, où la présence chinoise est très importante. Est-ce que les routes de la soie vont englober ce qui existe déjà ou contribuer à développer davantage de rapports avec beaucoup de pays africains? Vous avez travaillé là-dessus? Vous avez des échos, non, Alice? Ou Jean-Raphaël? Non, je pense que les routes de la soie peuvent à la fois consolider un peu ce qu'il y a,
Tout en créant d'ailleurs des problèmes d'organisation en Chine entre le FOCAC par exemple et puis le NDRC qui gère les routes de la soie. Maintenant, ce qu'il faut voir, enfin, la Chine est très importante en investissement, en flux, en stock, c'est largement en dessous de l'Europe. Enfin, il faut faire attention à ça, quoi. Les investissements, on parle toujours d'investissement, mais c'est souvent des contrats financés par des crédits. Donc il y a souvent un mélange qui est fait sur la présence chinoise. C'est pas relativement peu d'investissements, même si ça augmente très fort par rapport à l'Europe, mais beaucoup d'endettement et sur certains pays d'Afrique de l'Est assez important, surtout avec des infrastructures qui tournent à moitié. Je pense au train à Kenya et le train en Éthiopie, quoi. Donc ça, c'est. Mais je pense que ça s'ajoute. Et puis ça ajoute surtout la partie Maghreb avec. Des dernières entrées, c'est le Maroc. Dans les Hauts-de-la-Soie, je crois. Oui, Alice, oui. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'évoquer Jean-Raphaël. On note une intégration progressive de l'Afrique dans le projet de Nouvelle Route de la Soie. Au départ, uniquement le Kenya, en tout cas, même s'il n'y a pas de carte officielle, le Kenya était clairement indiqué sur les cartes diffusées par l'agence de presse Chine Nouvelle, qui est l'agence de presse d'État. Mais depuis, un nombreux pays ont soit spontanément manifesté leur enthousiasme, soit ont été encouragés par la Chine à proposer des projets, des idées. En effet, le Maroc, le Maghreb semble assez ouvert au développement, enfin en tout cas à développement par exemple des zones économiques spéciales, je pense à Tangemed, etc. Donc on a une approche aussi de coopération sud-sud que la Chine souligne de plus en plus. La Chine considère que les pays en développement et les pays émergents sont les premiers partenaires de la Chine dans la restructuration de la gouvernance mondiale. Je ne veux pas revenir sur des grandes questions géopolitiques, mais on est en pleine, à mon avis, phase de rapprochement, enfin de consolidation de la relation Chine-Afrique, qui n'est pas uniquement une relation économique, mais qui sera de plus en plus une relation politique, mais aussi militaire et de sécurité. Ça inclut par exemple des pays comme l'Algérie, comme le Maroc, comme le Sénégal, comme Djibouti, où la Chine a construit une base navale récemment. Oui. Merci beaucoup. Il va falloir nous respecter malheureusement le délai qui nous est imparti. Il y a quand même peut-être une question qui revient un petit peu à notre problématique depuis le début. On parle d'un essoufflement du commerce mondial actuellement. Est-ce que c'est réellement quelque chose qui va permettre de booster les échanges? Les Chinois parlent d'un développement des échanges, je crois, de 2000 milliards de dollars par an. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment une pierre vers la prospérité du monde, pour être clair? Si certaines conditions étaient respectées, et c'est ce qu'on dit dans le document... S'il vous plaît, un peu de silence, on termine. Merci. Si certaines conditions étaient respectées, ça pourrait participer de la relance et du soutien à la croissance mondiale. Notre vision, c'est que pour l'instant, il convient d'être très prudent parce que ça ne nous paraît pas être un développement qui soit soutenable. On évoquait l'Afrique. Il y a beaucoup de pays pour lesquels va se poser très rapidement la question du surendettement, alors même qu'on sort de l'initiative pays pauvres très endettés. Et donc ça pose des vraies questions. Merci beaucoup. Avant de nous séparer, je voudrais vous recommander une nouvelle fois. D'abord, je voudrais remercier nos intervenants. Merci. Merci beaucoup les jeunes qui sont en haut, parce que c'est vous qui êtes concernés, c'est votre génération qui assistera certainement à ce rééquilibrage du monde. Je vous invite à vous rendre sur Internet en sortant immédiatement et regarder les deux études, à la fois de l'IFRI et la Direction du Trésor. Merci à tous et à très bientôt. Bonne soirée.